355 mètres linéaires de mémoire cette semaine à porte ouverte au Musée de la civilisation. Présentement au Musée de l'Amérique française, à l'intérieur de l'exposition « Partir sur la route des francophones d'Amérique », cette grande exposition qui raconte l'odyssée des francophones en Amérique, de l'arrivée des premiers Européens jusqu'à nos jours. Alors, vous pouvez imaginer qu'une pareille exposition a nécessité un apport très important de documents d'archives et en témoigne un document historique comme celui-ci. Alors, ce document qui provient du Centre de référence de l'Amérique française, qui est également à l'intérieur du Musée de l'Amérique française. Alors, ce centre a contribué énormément à fournir ce type de documents. C'est un grand lieu de mémoire. C'est l'objet de notre émission. Et pour mieux comprendre quelle est la nature de ce centre-là, on va rencontrer Juliette Delérieux, qui est archiviste des collections du Centre de référence. Et également, on va avoir une invitée, Mme Martine Cardin, qui est professeure et également directrice des programmes en archivistique à l'Université Laval, avec qui on va poser la question de la conservation et des enjeux des archives au 21e siècle. Et maintenant, rendons-nous au Centre de référence pour voir les magnifiques collections. Je suis présentement au Centre de référence de l'Amérique française, dans la salle des chercheurs, dans l'espace de consultation des documents d'archives, dans ce grand lieu de mémoire. Et je suis en compagnie de Juliette Delérieux, qui est archiviste, responsable, évidemment, de ces grandes collections. Alors, en quoi consistent les collections du Centre de référence? Les documents d'archives, ce sont de l'information qui est consignée sur un support et qui a traversé le temps et qui nous est arrivée. Au-delà de ça, on peut distinguer plusieurs types d'archives. Et peu importe sa date, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des archives textuelles, qui peuvent être des archives d'individus ou des archives d'institutions. Et ce sont des actes de naissance, des actes de constitution, des censiers terriers, des livres de comptes, etc. On a des archives photographiques, iconographiques, qui sont les photographies, qui sont les œuvres sur papier, les gravures, les premiers jets de dessin, par exemple, des choses comme ça. Alors, pour le secteur des archives, on peut parler de 650 mètres linéaires de documents, 50 000 photographies, environ 8 600 cartes et plans. On a environ 19 000 images pieuses, 25 000 œuvres sur papier, une collection philatélique vraiment imposante de 500 000 timbres, 450 titres de journaux, ainsi qu'une collection numismatique de 30 000 pièces. Alors ça, c'est vraiment une belle présentation, je dirais, sur le plan quantitatif, numérique, et c'est colossal comme collection. Mais cette collection-là est faite de plusieurs fonds. Hein, parce qu'on parle du centre de référence, c'est fait de plusieurs fonds. Alors si on fait la grande nomenclature de ces fonds, comment on pourrait le décliner? En tant que centre de référence de l'Amérique française, mais aussi dépendant du Musée de la civilisation, on a d'une part les archives de collection. Les archives de collections qui sont rattachées à l'acquisition des objets qui sont faites dans la mission du musée. On a aussi les fonds privés de gens qui se sont illustrés dans la vie publique, des intellectuels, des politiques, des religieux, des juristes et beaucoup aussi d'abbés qui avaient été formés au séminaire. Mais le gros de notre collection et la plus magistrale, je dirais, c'est le fonds d'archives du séminaire de Québec. Et ça, c'est important parce que tout d'abord, le Centre de référence de l'Amérique française doit beaucoup
à ce fonds. Et qui est devenu par la suite un élément, une composante du complexe du Musée de la civilisation. Alors, c'est ce qui constitue le noyau dur du centre de référence de l'Amérique française. Oui, parce que le séminaire a été créé en 1663 et nous avons les archives depuis sa fondation. Ce qui est intéressant, c'est que les archives, elles sont cohérentes, elles sont sans discontinuer jusque dans les années 90. En plus de ça, elles se trouvent dans le lieu même qui les a vues naître, leur lieu de création. Elles sont conservées dans les murs de l'institution qui les a créées. In situ. In situ. En plus, on est dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec. On est vraiment dans un système de poupées russes. Alors là, Juliette, tu m'ouvres une porte extraordinaire parce qu'on sait que ce fonds ancien a été décrété mémoire du monde par l'UNESCO. Oui. En 2007, c'est grâce au Musée de la civilisation qui a œuvré pour faire reconnaître le fonds dont une partie, une grosse partie, qui, entre 1663 et 1800, a été inscrite au registre Mémoire du Monde. Et ainsi, le Canada est entré dans la cour des grands du patrimoine documentaire mondial. Ça témoigne surtout que notre culture, qui s'est installée ici au XVIIe siècle, a été reconnue pour sa valeur universelle. On est de retour dans le cœur de l'exposition Partir pour mieux parler de l'importance du fonds d'archives lié à l'enseignement, l'enseignement des sciences, celui des prêtres du séminaire. Oui, effectivement. Dès 1663, Monseigneur de Laval crée le grand séminaire dans le but d'évangéliser les premiers peuples. En 1668, il ouvre le petit séminaire qui permet d'accueillir les fils de colons et de les former le plus possible à la prêtrise. Et à la conquête, les jésuites s'en vont. Au 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. On s'ouvre à une connaissance encyclopédique. Et dès lors, le cours classique est ouvert. Pour rester à la fine pointe des connaissances, les professeurs qui étaient là, comme Hamel, comme Jérôme de Mers, comme La Flamme, etc., partaient à l'étranger, échangeaient beaucoup. Alors, ils partaient en Belgique, ils partaient en France, ils partent aux États-Unis, ils ont des relations dans tous les pays, ils reçoivent énormément de documentation aussi. Et c'est pour ça que ça leur permet, quelques mois après la découverte du rayon X par Röntgen, le physicien allemand, en 1895, en mars 96, alors que la découverte a été faite en novembre 95, on a un appareil de radio et on a les premières radios qui sont faites ici. Et ça, c'est les débuts de la radiologie. Alors, on est à l'affût de la connaissance, il n'y a pas de doute. On est à l'affût de la connaissance et on est à l'affût de la haute qualité de l'enseignement et toujours dans le but de former les élites d'ici. C'est pour ça que Monseigneur Parent, qui a été recteur de l'Université Laval, qui est un pur produit du séminaire de Québec, a été nommé en 1961 pour diriger les travaux de la réforme de l'éducation au Québec. L'Université Laval, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en 1961, elle déménage sur le site de Sainte-Foy, mais elle est créée initialement ici en 1852, et puis on conserve également la belle charte avec son sceau magistral dans nos archives. La première université francophone en Amérique du Nord. Oui. Alors maintenant que tu nous as décliné l'ensemble du fonds, l'ensemble des archives du Centre de référence de l'Amérique française, je sais que tu as sélectionné des perles, des documents importants, des beaux documents anciens, et c'est ce qu'on va aller voir. Alors, on est dans la salle de consultation. Je suis toujours en présence de Juliette Delrieux et on va examiner plus attentivement certaines pièces, des coups de cœur que l'archiviste a choisi de nous présenter. Alors, Juliette, on va commencer avec un dictionnaire, je pense, qui est assez important. C'est oui, le dictionnaire de l'abbé Tanguay. Oui, qui est plus que symbolique pour le Québec, qui est vraiment unique, puisque l'abbé Tanguay a été formé au séminaire de Québec. Il en sort prêtre en 1839 et il va être curé de plusieurs paroisses jusqu'en 1865. À cette époque-là, il rentre au ministère de l'Agriculture, de l'Immigration et de la Statistique en tant qu'archiviste, mais aussi responsable de la statistique. Et il est chargé par ce ministère d'aller recenser toutes les racines, toutes les racines généalogiques des familles françaises de la Nouvelle-France depuis ses origines. Et il est aussi parti en France
recenser les racines les plus anciennes des Canadiens français. Alors donc, on peut considérer que cette généalogie-là de chacune des grandes familles canadiennes françaises plonge dans le 17e siècle. Ça remonte jusque-là. Son principal travail a consisté entre le 17e et le 18e siècle. Il y a quelque chose de très, très particulier. Parce qu'ici, bon, ce qu'on voit, c'est le dictionnaire, c'est-à-dire c'est l'édition. Mais vous, vous avez un véritable trésor. Oui. On conserve toutes ces fiches qui sont religieusement, si je peux dire, conservées à la réserve dans des armoires qui ont été faites à cette destination-là, et des petits coffrets qui sont identifiés avec toutes les fiches manuscrites de Cyprien Tanguay. C'est vraiment un trésor parce qu'on a vraiment cette rareté d'avoir et la source et l'édition. Donc c'est un prolongement, c'est quelque chose de cohérent et c'est une rareté pour le Canada. Alors c'est les fondements de notre généalogie. Oui, il y a eu 7 volumes qui ont paru. Alors 7 volumes, 122 000 fiches. Oui. Une œuvre colossale publiée en... Oui. À partir de 1871. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est tellement important pour nous que c'est actuellement en ligne aussi grâce à BNQ. Alors, Juliette, ici, on a une pièce qui est assez particulière. On est quasi à la frontière entre l'objet, et d'autant plus matière animale, et le document d'archives. Oui. On est confronté, en tant qu'archiviste, à une multiplicité de supports. Entre autres, le velin, entre autres, ce plan sur peau. C'est un plan de 1750, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est la terre qui a été concédée à Louis Hébert. Donc c'est la première seigneurie, si vous voulez, qui a été concédée par le duc de Montmorency à Louis Hébert. Et c'est Louis Hébert qui a transmis sa terre au séminaire de Québec pour qu'il s'installe. Alors en termes d'organisation, on voit que c'est le séminaire qui est ici. Oui, le séminaire est là. On voit encore la structure. Là, vous avez la basilique Notre-Dame. Ici, c'était les jardins. Et les pavillons qui se sont construits, reconstruits, qui ont évolué. Fait allusion à la dimension de conservation. C'est un défi énorme pour le Centre d'archives. Oui, c'est un défi parce qu'on a des livres sur Velin, on a des manuscrits et on a des cartes. Donc, c'est pas seulement du papier, mais on est confronté non seulement à la poussière, aux conditions climatiques, parce qu'une peau, ça se rétracte et ça se casse. On peut voir aussi des cassures qui ont été là. C'est pour ça qu'on travaille avec le Centre de conservation qui est notre institution de référence pour la conservation. Le 12 juillet 1759, première bombe sur la ville. À 9 h du soir, où se fit le dernier salut de la paroisse, les Anglais commencèrent à canonner et à bombarder la ville. Sans interruption, ce qui remplit la ville d'effroi et ce qui endommage en effet considérablement plusieurs maisons et églises. Alors Juliette, on a 3 cahiers ici qui sont en fait des journaux de l'abbé Richer qui appartiennent à un des épisodes fort importants de notre histoire. Oui. Jean-Félix Richer était le curé de la paroisse Notre-Dame. Il a consigné de l'intérieur le sentiment, ce qui s'était passé. On a 5 journaux qui ont été écrits et ils commencent le 5 juin 1757. Et ça va jusqu'en... Jusqu'en 1760. Il explique l'effroi, le sentiment, le mouvement des foules. Il y a tout cet aspect-là qui est vraiment un prix sur le vif. C'est quasiment du journalisme. Il nourrit ça et ça, c'est une source incontournable si on veut comprendre ce qui s'est passé autour de la population de Québec à ce moment-là. Ici, on plonge dans les profondeurs de l'histoire, c'est-à-dire on est dans le 17e et le début du 18e siècle. Si on commence par cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est la lettre autographe de Louis XIV. Il en existe très peu. D'habitude, le roi se contentait de signer. Et c'est la lettre qu'il envoie à Monseigneur de Laval pour le féliciter de sa nomination d'évêque à Québec. Elle date du 1er avril 1766. On est véritablement au début de la constitution du grand fonds du séminaire. Hein? C'est les premiers documents importants. En 1663. Alors, imaginons. Ici, nous avons le plus ancien acte de mariage conservé, ici, qui date de 1636 entre Robert Drouin et Anne Cloutier. Ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est-à-dire que lui avait 29 ans, elle en avait 13. Le contrat précise
que le mariage aura lieu un an après et que les époux logeront chez les parents de la mariée pendant 3 ans. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que... Il a été fait à la seigneurie de Beauport, dont le seigneur était Robert Giffard. Il signe avec sa femme, etc. Et les témoins et le marié était briquetier, il signe d'une brique. Ses témoins qui étaient charpentiers signent d'une hache. Et 2 autres témoins qui étaient pilotes sur le fleuve signent d'une rame. Et naturellement, la mariée signe d'une croix, donc elles ont été identifiées, naturellement, lors de l'acte, pour pouvoir avoir valeur de... Alors, 2 grands documents écrits. Alors, Juliette, on poursuit ce plaisir de parcourir les riches collections. Ici, c'est la tribu des homards. Oui. Et ces photos ont été présentées en 1883, je crois. Oui, au Jardin d'acclimatation de Paris. Et c'est la collection du petit-neveu de Napoléon Bonaparte, en fait le fils de Lucien Bonaparte, qui s'appelait Roland Bonaparte, qui était un Français, donc un éminent américaniste, on disait à l'époque, et qui a parcouru le monde et qui avait le souci de renseigner la connaissance sur la science anthropologique à l'époque. Et il nous a été possible d'acquérir ce fonds, c'est le musée de la civilisation qu'il a acquis, dans les années 1980, et c'est une des très belles collections conservées au musée, qui a beaucoup de sens pour nous, bien sûr, au Québec, et qui montrait aussi à l'époque, à la fin du 19e, la façon dont on perpétuait cette connaissance, puisque c'est une connaissance qui existait déjà depuis la Renaissance, la découverte des territoires, etc., et on venait les amener à la population pour connaître. Et de là, c'était un grand chantier où la colonisation, qui fonctionnait encore, nourrissait des projets d'extension, de gestion des territoires et de connaissance des populations. Et ce qui est un peu gênant, mais c'était aussi, on les exposait comme pour la connaissance, mais ça peut avoir un sens de... comme phénomène de foire parfois, et quelque part, c'est quelque chose qui peut être actuellement perçu comme gênant, mais à l'époque, il faut le remettre dans le contexte, c'était une pratique qui était dans la continuité de ce qui s'était fait durant la Renaissance. On voit... La construction des grands cabinets de curiosité, hein, fait d'objets, oui, c'est de la photographie... On est exactement dans la continuité, mais l'avènement de la photographie fait qu'on peut maintenant les photographier et faire circuler leurs connaissances. Il y en a combien de photographies dans ce fonds? Ce fonds est constitué d'une 30aine de pièces. Elles sont actuellement dans un très bon état, mais on ne peut pas les numériser compte tenu de la déformation des cartons, etc. Donc on peut les consulter sur place, on peut en faire des photos, mais leur état ne permet pas la numérisation actuelle. Et justement, on parle de numérisation. Est-ce que l'ensemble des collections sont inscrites dans un processus de numérisation? Oui, le fonds du séminaire a bénéficié, et le fonds Vigévéraud aussi, a bénéficié d'un gros programme de numérisation qui est des documents qui sont en ligne actuellement sur le site du Musée de la civilisation et qui représentent 21 000 pages. Alors, c'est un chantier, c'est un grand chantier, la numérisation. Oui, c'est un grand chantier. Et la question est intéressante parce qu'on va aller rencontrer Martine Cardin, qui est une spécialiste de la conservation et de la numérisation des documents d'archives. Alors, je te remercie, Juliette, sincèrement pour nous avoir présenté ces collections, ces très, très belles collections, puis nous avoir fait part de tes connaissances en la matière. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Je suis en présence de Martine Cardin, professeure et directrice des programmes en archivistique à l'Université Laval. On est au Centre de référence de l'Amérique française, communément appelé le CRAF. Derrière nous se retrouvent des fichiers dans lesquels on consigne l'information, qu'on organise les archives du Centre de référence. On peut dire que ces archives-là, ou ce mode d'organisation-là, appartient à une autre génération. On est dans une période de transformation par rapport à ce type de, appelons ça, technologie ou première génération d'organisation de l'information. Oui,
Alors, les fichiers qu'on voit derrière nous traduisent, au fond, une des plus belles collections d'archives du Québec, qui est aussi riche que celle qu'on retrouve à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et le fait est que ce sont des documents de type analogique, de type papier, de type traditionnel, alors qu'on se dirige graduellement vers des technologies de l'information, avec les technologies de l'information, vers des productions qui vont être numérisées ou qui seront directement nées numériques. Donc, effectivement, ces fonds dits analogiques, c'est-à-dire la version papier, le mode papier, va se transformer. Et dans le futur, il va y avoir des choix énormes. Ça, ça va pour les documents anciens, mais le futur va falloir faire des choix. Et pour vous, j'imagine que ça suscite des réflexions, des débats, des grandes discussions. Ça fait l'objet, effectivement, de nombreuses discussions, débats et recherches. Et quand on parle des archives, on parle d'une préservation très longue, d'une préservation qui va aller au-delà des personnes. Donc, le fait est, il y a des enjeux qui sont majeurs, qu'on est à... certains, on est capable de les identifier. Pour d'autres, il faut être aux aguets de ce qui se passe. Mais depuis l'avènement de l'imprimerie, on peut dire qu'au niveau de la conservation des documents d'archives, on est en train actuellement de vivre une grande révolution. Hein? C'est un changement majeur. Énorme. Nous sommes dans une société où nous devons travailler de plus en plus dans des perspectives multidisciplinaires. Qu'est-ce qui maintenant différencie le document archive du document livre? De l'objet. Ici, on a non seulement beaucoup de collections d'archives au musée, mais on a beaucoup d'objets. On va vouloir les mettre accessibles à la population. On va les numériser à tout le moins pour avoir des images de ces documents. On va les documentariser quelque part. Et tout ça va faire en sorte que j'aurai des spécialistes de l'objet, des spécialistes du livre, des spécialistes de l'archive, mais aussi des spécialistes de tous ceux qui travaillent à exploiter, des chercheurs, des auteurs, des techniciens, des spécialistes de la technologie. Tous ces gens-là vont être appelés à travailler ensemble. J'ai une préoccupation par rapport à la conservation des documents d'archives. On sait aujourd'hui, on est dans une société où l'information est abondante, où les modes de communication se multiplient. Comment l'archiviste, dans le futur, va faire ses choix? Quels sont les paramètres qu'on va se donner pour une grande objectivité de ce qu'on va conserver? Il faut être capable, comme spécialiste, dans des équipes multidisciplinaires, je le disais, il faut que tous les intervenants, tous les acteurs qui vont créer ces documents-là puissent participer pour fournir tous les éléments d'information qui nous permettront d'identifier ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Et ce n'est pas moi, comme archiviste, qui va être capable de le faire après. Il faut le faire pendant. Donc, un des grands défis, c'est de mettre tout le monde à l'œuvre. Le créateur est de responsabiliser tout le monde à ce que, et dès maintenant, dès qu'on crée un document numérique requiert des soins. Il y a comme une convergence dans la conservation de la mémoire et chacun doit y contribuer à sa façon. Voilà. Malheureusement, on ne pourra plus demander aux archivistes, on entend ça souvent dans notre métier, on nous dit « Ah, vous pourrez plus tard ». Non, on ne pourra plus parce que si on n'a pas préservé l'information sur les ingrédients, c'est un peu comme la recette secrète de grand-mère qui se perdra parce qu'on n'aura pas consigné les informations au bon moment et grand-mère ne sera plus là pour nous les donner. Quel serait le défi qui l'attend compte tenu de l'héritage? Alors, l'héritage, c'est celui, évidemment, du Séminaire de Québec, cette grande collection, et ce que va continuer à être le centre de référence d'Amérique française. Quel est le défi qui l'attend dans le futur? Le grand défi de tous les archivistes, c'est d'inscrire la mémoire, parlons d'un cadre de référence, dans le fond, que tout le monde consulte, de l'inscrire dans la continuité et dans la cohérence. Donc, dans la continuité, ça veut dire que le musée n'arrêtera pas d'accumuler. C'est un dépôt. Donc, on accumule des archives au gré du temps qui nous semblent être des représentations les plus symboliques, les plus significatives, les plus importantes pour notre mémoire. Alors, la première des choses, c'est d'arriver à sélectionner dans la continuité des archives avec ce passage du numérique qui risque, c'est vrai, de nous apporter des petites perturbations parce qu'on n'aura peut-être pas tout de suite saisi tous les gestes qu'il fallait faire, parce que la technologie aussi comporte des grands dangers de dépendance, d'obsolescence, dont on est peut-être actuellement un peu insouciant. La cohérence, eh bien, c'est maintenant aussi d'être capable de faire en sorte que les couches analogiques, comme je le disais, pourront se réinsérer.
dans une pratique qui sera de plus en plus numérique. Alors, on aurait véritablement envie de continuer cette conversation parce qu'on sent que vous avez encore beaucoup à dire. Il y a beaucoup. Alors, Martine Cardin, je vous remercie infiniment. Merci. Merci. J'espère que cette incursion dans l'univers des archives du Centre de référence de l'Amérique française aura permis de démontrer l'importance de ces fonds d'archives et l'importance aussi de cette reconnaissance de l'UNESCO en tant que mémoire du monde. Alors, c'est un grand fonds, c'est une grande collection pour la mémoire de la francophonie en Amérique du Nord. Alors, avec Juliette Delérieux, on a vu le chemin parcouru, c'est-à-dire tout le domaine des archives historiques, ce qui a été constitué, ce qui a été amassé. Avec Martine Cardin, on a plutôt abordé le chemin à parcourir, ce qui va nous rester, les grands défis à faire dans ce 21e siècle, du point de vue de la conservation, pour tout le monde de l'archivistique. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et que vous serez des nôtres pour la prochaine. Merci.